D'après une étude très sérieuse, si tu likes la vidéo et que tu t'abonnes à la chaîne Lug 4 et que tu actives toutes les notifications, tu gagneras un coffre légendaire. Bonjour à tous, j'espère que tout très bien. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez vraiment très très bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo sur Brawl Stars, donc sur le jeu de Clash Royale qui a été sorti, enfin qui est sorti il y a quand même pas mal de temps déjà. Donc je me suis dit pourquoi pas faire une vidéo dessus. J'ai pas mal de coffres à ouvrir. Vous voyez en bas à gauche que j'en ai 18. J'en avais 19, mais j'en ai ouvert un sans faire exprès. Du coup voilà, 18 coffres à ouvrir, donc on va faire ça en vidéo. Également, s'il y en a qui jouent, n'hésitez pas à venir dans le clan. Là c'est vrai qu'il n'est pas du tout actif. La dernière personne qui a parlé, ça fait 90 jours, donc ça fait plus de 3 mois. Donc voilà, si vous êtes actif, n'hésitez pas à venir. Je viens de voir par contre qu'il y a des vidéos. Ouais bah ça c'est comme Clash Royale. Ok, donc là j'ai 1017 trophées. J'ai aussi le boss fight dans 2 heures. Non, non, 2 jours et 19h. L'événement commence, donc je crois que c'est ce week-end en fait. On est mercredi, jeudi, vendredi, ouais c'est ce week-end. Ce week-end l'événement reprend. Donc en fait c'est quoi comme événement? En fait c'est des vagues si vous voulez, comme sur Black Ops pour ceux qui connaissent un petit peu. En gros ce mode de jeu c'est des vagues. Vague 1, 2, 3, plus vous augmentez dans les vagues et plus la difficulté est augmentée. Donc voilà. Donc là on a toujours les trois modes, hein. On a toujours des modes qui changent à chaque fois. Brawl Ball, c'est avec la balle qu'on doit mettre dans le camp adverse. Smash and Grab, Showdown, bref voilà. Et je crois qu'il n'y a pas une nouvelle carte. Excusez-moi. Il n'y a pas une nouvelle carte je crois. Ah c'est lui. Lui c'est une nouvelle carte. Depuis que j'ai joué la dernière fois, ouais c'est une nouvelle carte. Elle était là, c'était la dernière carte qui est arrivée quand je suis parti. D'ailleurs il y a des skins, il y a des petits skins pour les personnages. Regardez un petit peu, on va aller sur elle. Il y a des skins qu'on peut avoir, donc il faut payer, par contre c'est 20 gemmes. Et moi je crois que j'ai 0 gemmes, non j'en ai 200. J'en ai 200 donc je peux payer des skins si je veux. Donc lui par exemple. Ok. Donc voilà, on peut payer des skins. Elle était déjà là, elle aussi. Spike aussi était déjà là, donc en fait comme nouvelle carte depuis que j'ai joué, il y a juste Daryl. Voilà. Je crois que c'est que des cartes, c'est une carte commune ou pas ça? Non, c'est une rare. Excusez-moi. C'est une rare, ouais. C'est une rare, c'est une rare. Donc là, on a toujours les coffres. Hein. Les offres en haut. Là, c'est les boosts. 50 gemmes pour avoir 1000 d'or. On a les coffres. Et là, les coffres les plus rares. Bref, on va... Attendez, j'ai un plus 1 là. Ouais, je peux augmenter une carte que je veux au choix. On va ouvrir les coffres, donc 18 coffres. Allez, c'est parti, donc bien sûr, on peut avoir des cartes, on espère bien sûr les cartes qu'on n'a pas eues. J'en ai... Excusez-moi, disons. J'ai mal à la gorge. Comme carte, nous avons... Oh, une nouvelle carte. C'est une nouvelle carte ou pas? Ah, je sais pas. On a PAM. Oh, yes. J'ai deux tickets aussi, bonus. Attendez, est-ce que j'ai une nouvelle carte? Ouais, oh non, est-ce que j'ai une nouvelle carte? Non, c'est pas une nouvelle carte. C'est un skin que j'ai eu, en fait, je crois. J'ai eu un skin, enfin je sais pas ce que j'ai eu en fait comme carte, c'est j'ai eu elle. Est-ce que je l'avais avant? Je sais pas. Bah oui, je crois que je l'avais. Donc là, il me manque 6 cartes. Donc c'est parti, on espère avoir un maximum de tickets, pour comme ça on fera le boss fight. On le fera sûrement en vidéo, c'est vraiment, vraiment sympa. En gros, c'est des vagues qui sont vraiment sympas, comme je l'ai dit, voilà. Plusieurs vagues, et plus vous avancez, plus la difficulté augmente. Allez, on ouvre le coffre. On a Super Pin. Plus 8 de dommages. Ok, ben ça marche. Et on a un ticket en plus. Yes. Mais du coup, là, on va pouvoir faire 3 parties. Ça, c'est cool. Excusez-moi, j'ai vraiment mal à la gorge. Je sais pas pourquoi. Donc là, ouais, ben, c'est cool hein, qu'on puisse gagner des tickets avec les coffres. Mais on continue. Hein. C'est ce coffre à ouvrir. On a encore le temps. Vas-y, vas-y. On a un badge. 200... Dommage, ok. Et les badges, on peut les... Enfin, les badges, comment on les met, en fait, les badges? Upgrade, badge... Ah ouais, on peut mettre des badges et tout, c'est stylé. Maintenant, il y a des badges et des médailles pour augmenter la capacité du personnage. Bon, on continue, allez, 15 coffres. 15 coffres. J'espère que vous m'entendez bien. Donc là on a un super... Ok bon, on a encore... Donc ça c'est une barlée, je sais pas trop... Attendez, on va regarder vite fait. Barlée, plus... Bon, je sais pas. Bon, on continue.
J'espère que vous m'avez bien entendu au niveau de la voix, parce que là, c'est vrai que en fait, j'avais recouvert le micro, sans faire exprès. Bon, on continue, j'espère que ça marchera. Donc, c'est parti. Token 20 x 20, c'est cool. Yes, on prend. Encore 13 coffres. X 10 token. Ok, j'aimerais bien des tickets. Des tickets, ça serait cool avec des personnages. Un pin. Ok, 85 points de vie. On continue, il reste 10 coffres encore. Après celui-là, 125, un pin encore une fois. En gros, là, les pins, c'est des choses qu'on va pouvoir donner au personnage en question pour l'améliorer. Donc voilà. X 10 encore. Les tokens, ça sert... Oh, yes, un ticket. 4 tickets. Les tokens, ça sert à quoi? Les tokens, ça sert... Je crois que c'est ça. Non, c'est pas ça. Les tokens... Je sais pas quoi... Mais oui, les tokens en bleu, là, en fait, ça sert à augmenter... Donc voilà, par exemple, là, je peux acheter 20 pins. Ça sert à ça, les tokens, acheter les pins. Bref, voilà. Allez, il reste encore 9 coffres. On continue. Ok, on a un pin. C'est une médaille. Tiens, une médaille. Ok. On a un pin. On continue. Encore une fois, un pin. Donc, oh, yes, 2 tickets. Ça, c'est cool. Ça, c'est cool. Un bonus de 2 tickets. Je peux pouvoir faire 6 parties. Allez, on continue. Il reste encore 6 coffres. Badge, ça roule, on continue. Oh yes, 200 d'or en plus, ça c'est cool. Un badge, une médaille. Oh yes, 2 tickets, ça nous fait 8 tickets, donc on va pouvoir faire 8 parties, ça c'est cool. 20 tokens, ok. Un ticket, donc on va pouvoir faire 9 parties. J'espère encore un ticket, ça c'est cool de faire 10 parties. 20 tokens et un ticket, non, pas de ticket. Ok, on va juste améliorer rapidement. Avec ce qu'on a eu, voilà, je vais améliorer aussi lui, voilà. Lui, ah mais lui j'ai tout, on va tout lui améliorer, hein. Hop là, hop là, hop là, hop là. Donc vous voyez que les tokens par contre ça descend vite, hein. Là je suis à 300. Lui je lui mets tout, allez. Il reste 400, il me reste qu'un token 350. On va garder comme ça. Donc voilà, ben en tout cas, ben le boss fight, j'en ai 9. J'ai 9 tickets pour le faire, donc on le fera ce week-end. Et je vous ferai une vidéo parce que c'est vraiment cool. Pour vous voyez un petit peu à quoi ça ressemble, parce que c'est vraiment super cool. Je vais essayer d'avoir aussi quelques coffres. Histoire d'ouvrir quelques coffres, voilà, ça serait cool. Ça serait vraiment pas mal. Attendez, ça coûte... Atteint 100 d'or pour avoir une box. Mais j'ai combien d'or? Je sais pas combien j'ai d'or. Je sais même pas combien j'ai d'or. J'ai pas mis. Non, j'ai pas mis d'or. Je sais pas combien j'ai d'or. Bref. Mais du coup, voilà, je vous ferai ça, le boss fight, le mode de jeu en vidéo. Puis on ouvrira quelques coffres en vidéo, si vous voulez, pour la prochaine vidéo. La prochaine vidéo sur Brawl Stars. Donc voilà, en tout cas, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à lâcher le petit pouce bleu en bas de la vidéo, à commenter la vidéo, à partager cette vidéo. On se retrouve donc pour une prochaine vidéo très bientôt. Allez, ciao.